Les comités directeurs de l'Union nationale des commerçants du MPS et le groupement socio-professionnel du MPS ont eu hier à N'Djamena une rencontre axée sur les orientations données par le président fondateur du mouvement patriotique du salut par rapport à la situation économique du pays. Le chef de l'État, en effet, a exhorté les opérateurs économiques à investir massivement dans le secteur agropastoral. Varelaj. Une semaine après la tenue de la 6e Assemblée générale ordinaire placée sous le thème « L'apport de l'UNC-MPS dans la matérialisation du plan national de développement », le secrétaire général du MPS, Mamad Zen Bada, convie les membres des comités directeurs UNC-MPS et ceux du GSP-MPS pour une rencontre de concertation. La salle des conférences de l'hôtel Hilton, qui est pleine à craquer, a réuni les membres de l'UNC-MPS, ceux du GSP-MPS, les membres du Bureau politique national, ceux des organes de masse, ceux du groupe parlementaire, les membres du gouvernement, ainsi que les anciens premiers ministres. Tous ont aménagé leur agenda pour la même cause, celle de traduire en acte les orientations du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, axées sur la résilience économique par le secteur agropastoral. À travers cette vision, le président fondateur voudrait booster l'économie tchadienne via l'agriculture et l'élevage, les deux mamelles de l'économie nationale. Plantant le décor de ces retrouvailles, le président du comité d'organisation, Mamad Senoussi Zakaria, relève que cette rencontre marque un nouveau départ, celui de réfléchir sur l'avenir du Tchad. Dans le but de traduire dans le fait les orientations du président de la République que le camarade secrétaire général du mouvement patriotique du salut a jugé nécessaire et indispensable, d'une part, d'entretenir les membres de deux comités directeurs des organes de masse que sont le GSP-MPS et l'UNC-MPS, du bien fondé des orientations du président fondateur et de la nécessaire virgalisation auprès de l'ensemble des opérateurs économiques. D'autre part, il s'agira de jeter les bases d'une réflexion approfondie à l'effet d'améliorer les conditions optimales de la mise en œuvre de ces dites orientations. Du côté du secrétaire national de l'UNC-MPS, Abakar Tahir Moussa, par ailleurs président des comités directeurs de l'UNC-MPS et du GSP-MPS, la mise en œuvre de la vision du président fondateur de cette formation politique nécessite une prise de conscience à divers niveaux. C'est ainsi qu'il exhorte la base à une responsabilité collective. Le retour à la terre nourricière, vœu ardent du chef de l'État Idriss Déby Itno, commence à porter ses fruits. En tant qu'opérateur économique, j'adhère à la vision du chef de l'État de faire de l'agriculture et de l'élevage les piliers de l'économie nationale. Notre entreprise Wadi Koundi investit déjà dans ce secteur et le résultat est satisfaisant. La rencontre des militants et sympathisants du MPS s'est achevée par une ambiance bon enfant. Par rapport justement aux orientations données par le chef de l'État, quelques membres du gouvernement ont présenté les stratégies du gouvernement. L'approche est pluridisciplinaire. Varelaj. Au grand mot des grands remèdes, le son de cloche est donné par le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, pour qui la diversification de l'économie passe par le secteur de l'agriculture et celui de l'élevage. Première cible, les opérateurs économiques. Conscients de cette orientation, ces derniers comptent mettre en musique cette vision. Pour ce vaste et noble chantier, les opérateurs économiques ne sont pas seuls. Les membres du gouvernement également sont sur le front pour apporter leur pierre à l'édifice. Je voudrais préciser que le cadrage macroéconomique, c'est-à-dire le cadre dépenses à moyen terme du PND, a consacré 67% de son financement au secteur privé et 33% pour le secteur public. C'est le choix du président de la République qui a voulu que ce soit le secteur privé qui soit porteur de croissance et de création de l'emploi.
Pays à vocation agro-pastorale, le Tchad compte plus de 100 millions de têtes de bétail et une terre aride permettant d'amorcer son développement socio-économique. Au niveau des départements ministériels concernés, notamment le département de l'agriculture et celui de l'élevage, ouvrir des interfaces qui permettront à nos camarades, aux hommes d'affaires que vous êtes, de se rapprocher de nous pour qu'on puisse échanger sur les opportunités qui s'offriraient à vous, sur l'accompagnement que nous pouvons vous assurer, sur comment faire pour que vous soyez le plus efficace dans la mise en œuvre de ce PND-là. C'est le moment opportun, je dirais, de faire des affaires différemment. Mais attention, nous partons à ce qu'on appelle tous la mère nourricière, la terre. Et avec la terre, on ne ment pas. On ne triche pas. Vous lui donnez ce dont elle a besoin, elle vous restitue ce qu'elle est capable de vous restituer. Le message est donc perçu à tous les niveaux. Opérateurs économiques, adeptes du parti, représentation nationale, membres du gouvernement, bref, toutes les couches socio-professionnelles. Cette orientation, une fois mise en œuvre, va faire du Tchad un pays exportateur et non importateur des produits. Le secrétaire général du mouvement patriotique du Salut, Mamad Zenbada, demande à chacun de jouer pleinement son rôle pour l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État. Le retour à l'agriculture et à l'élevage prôné par le camarade président fondateur est bel et bien une nouvelle stratégie pour le développement national. Pour lui, les Tchadiens doivent se redéployer dans le secteur agro-pastoral pour leur autosuffisance alimentaire et aussi pour l'exploitation des produits de l'agriculture et de l'élevage. Chacun d'entre nous ici est soit fils ou petit-fils d'un éleveur, ou soit fils ou petit-fils d'un commerçant, ou soit fils ou petit-fils d'un agriculteur. Et nous devrons savoir faire. De toute évidence, le chef de l'État sait que l'on ne doit pas procéder ici par improvisation. Non, il ne s'agit pas d'improviser. Les premières ressources dans n'importe quelle action, ce sont les ressources humaines. Et nous avons les ressources humaines nécessaires. Si le MPS a mis en place deux organes différents, qui sont le GSP, le groupement de socio-professionnels. Ce groupement de socio-professionnels, dans son comité directeur, est composé des cadres, des éminents cadres du parti, des éminents cadres du pays, capables de réfléchir et de donner la ligne directrice à nos hommes d'affaires qui sont dans l'Union nationale des commerçants du MPS. Beaucoup dans cette salle ont divergé tout autour de Niamena ou ailleurs. On investit des millions, des dizaines de millions pour acheter un verger. Est-ce qu'on l'exploite ou c'est pour aller passer samedi et dimanche sous les arbres en train de jouer aux cartes ou en train de passer une bonne journée? Et qu'est-ce qu'on en fait plus? Rien. Donc à partir de maintenant, il faudrait que nous ayons à l'idée que tout ce que nous faisons doit nous amener à produire.